Tadam, je viens d'arriver à Paris, enfin en fait plutôt dans ma chambre d'hôtel. J'aime bien parce qu'en fait je découvre toujours des hôtels quand je viens. Du coup c'est super cool. Ah, il y a une baignoire, j'ai pas de boule, j'ai pas de boule, ça m'aurait fait du bien. Ouais, je crois que je vais aller en acheter. J'ai pas eu le temps de manger ce midi, je suis au fond du trou. Mais en tout cas, quand on arrive dans cette chambre, ils ont des miroirs mais énormes de partout. Et j'aime vraiment bien le style quoi. Mais franchement, il y a des miroirs partout. Si t'as pas envie de voir ta gueule, je veux dire, t'es obligée. Donc j'ai pas emmené beaucoup d'affaires, honnêtement j'ai une valise avec moi mais il y a quasiment rien dedans. Demain matin il y a un cours de yoga, du coup avant de voir mes petites abonnées j'ai trop hâte. Mais le problème c'est qu'en fait j'ai l'impression que ma tenue elle est pourrie. Donc je vais peut-être aller voir pour m'acheter autre chose, pour cacher mes fesses, j'ai un peu honte. Je suis à l'hôtel Eugène en ville, je connais pas du tout. Et en fait il y avait ça sur le lit, moi je suis une affamée, hein. Je regarde toujours s'il y a des trucs à manger dans la chambre vu que j'ai rien mangé. Et il y avait ça, la fortune cookies à la française. En fait c'est comme des cookies fortune, donc je vais regarder. C'est 1000 fois meilleur qu'un cookies fortune parce que ça a le goût d'une une crêpe dentelée là au beurre. Et regardez ce qu'il y a marqué à l'intérieur, je sais pas si vous verrez. Ah, vous voyez pas. Non mais regardez-moi ça. Si ça c'est pas poussé au vice, offrez-vous un cadeau petit ou gros qui vous donne le sourire. Vous voulez que je dépense mon argent, hein? Bande de, hein? Bon, je vais aller boulevard Haussmann parce que c'est ce qu'il y a de plus près de mon hôtel, donc je vais y aller à pied. Et voilà, à mon avis, je vais manger des trucs dans la chambre ce soir tranquillou. Hello tout le monde. Alors, il n'y a pas de filtre là. Je pense que vous l'avez compris. Mon bouton ici, il a décidé de pousser encore plus. Je suis au fond du trou. Ma crève ce matin, elle me tue vraiment. Donc là, je pense que je vais aller prendre un. En fait, ma crève, chaque matin, je me dis, elle peut pas être pire. Et chaque matin, elle est pire. Bref, j'ai vu qu'il y avait un Starbucks pas loin de là où j'ai rendez-vous pour rencontrer mes abonnés et faire du yoga. Ça va être très beau ce matin, je le sens. Donc je vais aller me diriger. Donc voilà, je vais aller prendre un bon café. Une fois que j'aurai pris du café, j'aurai déjà plus cette voix de camionneur. Déjà, ça va aider. Vous allez jamais me croire. Mon taxi, enfin mon chauffeur privé, il a eu un accident, s'il vous plaît. Alors c'est pas drôle, hein. Enfin c'est pas vraiment un accident, mais il y a un gars qui lui a reculé devant. Et du coup j'ai quelques minutes. Heureusement je vais avoir mon train, mais j'ai cru que j'allais louper. En tout cas, je tenais à remercier toute l'équipe d'Arborion qui a été au top et également toutes mes abonnées. Vous avez été trop trop mignonnes. J'aurais voulu passer encore plus de temps avec vous. Je suis vraiment désolée, mais comme vous l'entendez, je viens d'attraper mon train. Et voilà, mille merci d'avoir été là. En tous les cas, je voulais vous remercier parce que même malade, franchement, je serais venue, même au bord du gouffre, je serais venue et ça m'a fait tellement du bien de vous voir. Chacune vos sourires, même celles qui étaient plus timides, franchement, merci d'avoir fait le déplacement pour moi. En fait, j'ai encore du mal à me dire qu'il y a des gens qui font le déplacement pour me voir parce que, bon, ben, vous aurez vu, je suis quelqu'un d'assez simple, je suis pas, voilà, mais ça me touche beaucoup. Merci, merci beaucoup. Profitez bien de votre week-end, j'espère vraiment que ça vous a plu et j'espère vous revoir très vite. Et vraiment un tout grand merci à Herborian parce que voilà, au-delà que moi c'est des produits que j'adore et que j'utilise réellement, ben voilà, d'avoir été là, d'avoir été super gentil, d'avoir été aux petits soins, voilà, c'est pas donné à toutes les marques, mais vous, vous avez assuré. En fait, j'aimerais tellement vous voir plus, en petit comité comme ça, c'est tellement sympa, je peux vous parler, je peux, enfin voilà, j'espère vraiment avoir la chance de vous rencontrer un petit peu plus, ben, bientôt peut-être.